Oui, vous avez complètement raison. C'est, ouais, on est très déçus, on est très. Ça fait mal une défaite comme ça fait mal une performance comme ça, spécialement en première mi-temps, deuxième mi-temps. On a fait ce qu'on pouvait, on a essayé de mettre le cœur et sortir du terrain avec la tête en haut, mais c'est vrai quand tu perds 3-0 à la maison contre le PSG. Ça fait très 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 mal. Après, un carton rouge, ça aide pas du tout, spécialement contre une équipe comme PSG qui quand même maîtrise le ballon assez bien. Je trouve quand même, mes débuts de match, on n'a pas bien attaqué le match comme on voulait, comme on s'est entraîné. C'est nous qui doit prendre la responsabilité, c'est nous qui doit se remettre en question et heureusement qu'on a un entraîneur qui sait très bien faire les choses et qui sait très bien analyser les choses. Et heureusement qu'on a une vestiaire qui a beaucoup de joueurs avec une bonne mentalité, parce qu'on va tous se remettre en question, on va tous bien faire les choses pour montrer que des fêtes comme ça, c'est Un accident. normalement ça ne doit pas venir, ça doit, c'est pas possible. Ouais, vous avez bien expliqué. Honnêtement, j'aimerais bien dire des mots, j'aimerais bien vous donner des paroles, mais c'est difficile là, ce moment. Le seul truc que je veux dire, c'est qu'il faut prendre la responsabilité, il faut assumer ce qui s'est passé ce soir, il faut faire bien en sorte que les choses comme ça, elles sont pas normales et ça arriverait plus. Le championnat, il est pas gagné aujourd'hui, il n'est pas perdu non plus aujourd'hui. C'est match par match, mais c'est vrai que des matchs comme ça, pour nous, pour le club, pour la ville, c'est pour le peuple, c'est des matchs plus importants que le normal. Et ça, il faut le montrer, ça, il faut le sentir, il faut prendre la responsabilité. Et aujourd'hui, on n'a pas pu faire. Et c'est à nous de se remettre en question et on va tout faire pour bien revenir et encore bien remettre les choses en place. Heureusement, on a un match la dimanche à Nantes, non? Pour bien faire les choses. Et c'est à nous de montrer que on a encore beaucoup à faire, mais je sais aussi qu'on a encore beaucoup, beaucoup à apprendre.